Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de pumping bread sans gluten et sans lactose. C'est un peu comme le banana bread, mais à la place des bananes, on met de la citrouille. C'est très moelleux et très bon. Pour les ingrédients, on aura besoin de 180 g de farine de riz, 60 g de sucre complet, 150 g de chocolat noir que j'ai coupé en petits dés. 3 œufs, 10 centilitres d'huile, 385 g de purée de courge. Je les ai cuits à la vapeur et ensuite je les ai écrasés avec la fourchette. Un sachet de levure chimique sans gluten et une demi-cuillère à café de cannelle. On commence par mélanger les œufs, le sucre complet que vous pouvez remplacer avec du sucre de coco. On ajoute l'huile. On mélange à nouveau. On ajoute la purée de citrouille. On mélange bien. Dès que c'est fait, on ajoute la farine de riz, la cannelle et la levure chimique sans gluten. On mélange bien le tout. Ensuite, on ajoute une partie du chocolat. Et le reste, je vais le garder pour le mettre par-dessus le cake. Je vide ma pâte dans un moule à cake. Je lisse bien les bords. Et je finis par ajouter les carrés de chocolat juste par-dessus. Et j'enfourne à 170 degrés, 50 à 60 minutes. Voilà la recette d'aujourd'hui, un gâteau très facile et ultra moelleux. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!